on est sur la route pour changer d'air de camping-car. Vas-y papa, explique-nous tout. Eh ben, nous partons sur le lac de Sainte-Croix. On a trouvé une aire de camping-car à proximité de la plage sur Park Fortnite. Donc les commentaires, ils allaient être sympathiques. Le prix très raisonnable. J'espère que ça va nous plaire. Sinon, bah, on continuera notre petit chemin parce qu'il y en a plein autour du lac. Hein. Par contre, pour l'instant, il nous reste 50 km et des virages. Hein, hein Amandine? Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que Cécile n'est pas là. Que j'ai pris sa place. Voilà. D'ailleurs, tu pourrais aller la voir. Ah ouais? Poser une petite question. J'y vais tout de suite. Pour la rassurer que tout va bien. Alors là, c'est un peu compliqué parce que papa roule, il y a des virages. Coucou ma petite belle-mère! Comment ça va? Je suis malade. Ouais, c'est pas trop top. Je supporte pas les virages. Ça me donne envie de vomir. Bon, je te laisse? Ouais, vas-y. Gros bisous. Bon, du coup, ma petite belle-mère n'est pas très bien. Donc voilà. Elle a les chocottes. Je me rattache quand même. Oula. Ouais, c'est très important de se rattacher. Donc bah, on vous retrouve après, je pense qu'on arrivera pour vous montrer cette aire de camping-car. Allez, gros bisous à tous. Bisous. À plus. Arrivé au lac de Sainte-Croix, c'est assez galère parce que il y a des barrières partout pour stationner, c'est très très difficile. Là on est sur un parking histoire de se baigner un petit peu et puis après je pense qu'on va pas rester parce que c'est soit on va au camping ou soit les aires municipales, enfin les aires de camping-car, elles sont haut perchées et c'est vachement loin du lac, donc on va voir. Là il y a Fred qui est parti un peu se baigner, se rafraîchir et puis on va voir si on reste. Allez, à tout à l'heure. Donc vous voyez là, on est stationné ici. Donc la route, elle est là en face. Et l'aire de camping-car, elle est tout là-haut dans la colline. Donc c'est un peu la galère. Là, il y a un grand parking comme ça. Bon, le stationnement est autorisé juste pour la journée et pour la baignade. Et après, bah, il faut partir. Allez, il y a bas un panneau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Camping sauvage interdit. Voilà, donc là je vais aller retrouver Fred de sa petite baignade. A tout de suite. Vous voyez Fred là-bas? Le petit bonhomme là au milieu. Il fait sa petite baignade. C'est un superbe endroit quand même. Hein. C'est magnifique. Regardez. Bon, le niveau de l'eau a l'air d'avoir vachement baissé. Je pense que c'est un peu dû à la sécheresse. L'eau, elle est belle. Voilà, on est arrivé, on est au lac de Sainte-Croix et en fait on est très 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 déçu. Niveau accès au lac, bah, c'est pas du tout évident. On a fait une grande partie du lac, tout est pris, hein, submergé de personnes, enfin de voyageurs on va dire.
Les camping-cars, il y en a partout, mais bien sûr, tous les parkings, bah, il y a des bars. Ouais, c'est ce que je viens de leur dire tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, tu leur as dit tout à l'heure. Ouais. 2,20 m, là on a trouvé quelque chose à 10 euros, mais c'est vraiment de la daube. Et puis je crois que même si on a payé 10 euros. C'est dans la colline tout là-haut. Eh ben on va partir. C'est comme ça pour grimper avec le camping-car, on frotte le bas de caisse, c'est. Ouais. C'est un peu craignos quand même. En plus, le lac, bah, il a fait tellement chaud, bah, il est très très bas. Mmh. Vous voyez ouais, en principe, il est tout au bout là-bas. Et en fait. Et là, en fait, il n'y a pas beaucoup d'accès. Ça fait un peu comme le Serpenton. L'accès est compliqué. Ou alors, il faut un minivan. Bah, tout est barricadé. Voilà. Et puis, on avait trouvé une aire du camping-car, mais bon, elle a disparu. Ouais, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Alors. Ouais. Bon, c'est un peu la déception. Donc, voilà, j'ai les boules. Voilà. J'ai les boules. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. On est venu, on a vu. Et on va repartir. Et on repart. On va manger un petit bout et puis après on va repartir. Voilà, voilà, il nous reste 100 km, on descend sur Ramatuel, on va profiter de nos amis, profiter de la mer parce que là au moins elle est à 50 mètres et c'est accessible. Donc on aura des super vues. De toute façon, on a des points que aussi qu'on vous présentera. Ouais, là-bas il y a plein de criques sauvages, c'est magnifique aussi. Hein. C'est pas le même cadre, c'est sûr, mais c'est aussi beau quand même. C'est aussi, ouais, c'est aussi beau, c'est aussi beau, c'est sympa. Bon bah sur ce, je me suis quand même baigné pour prendre un peu de fraîcheur. L'eau elle est bonne, hein, malgré tout elle est bonne. Hein, mais bon, on n'a pas le cœur à l'ouvrage là, on est un peu déçu en fait. Ouais. On est un peu déçu. Ouais. Bah ça arrive d'être déçu, on peut pas tout avoir. En plus on a. Il y a beaucoup de virages pardon, et beaucoup de montagnes et on en a un peu ras-le-bol de les lacets, des lacets. J'ai Cécile qui fait que de stresser. Donc on va reprendre direction la mer. De toute façon la mer. C'était notre destination je dis pas finale, mais destination. Non, pas finale, mais la troisième destination. De toute façon, vu qu'on descend, on va arriver à un moment à l'autre à la mer. Hein, c'est la pointe chute, hein, parce qu'après, notre camping-car, il fait pas bateau. Hein. Donc, on aura du mal à aller en Corse ou en Sicile avec. C'est pas un ferry. Non, c'est pas un ferry. Donc voilà, on va faire un petit casse-route. Et puis ensuite. Et ensuite on va reprendre la route, on a 100 bornes. Donc 100 bornes, ils annoncent 3 heures de trajet. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lacets. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait alors du coup? On s'en va, on reste pas. Ouais. Sinon c'est les campings à tout va et camping Chéreau. Ouais, camping-car. En plus on n'a pas de bol, c'est tout le temps pointu là, il n'y a pas d'espace. Soit faut grimper pour aller dans les campings, soit faut descendre et avec le camping-car l'arrière. Ouais, avec le porte-à-faux, avec le scooter. Ça a frotté 2-3 fois tout à l'heure. Ouais. Mais bon, c'est la ferraille, c'est pas dramatique. Ouais. Bon, allez, on vous fait des gros bisous. Allez, je vais refaire une petite nage là et puis on va aller manger. Ok. À plus tard, bisous. À plus. Cécile, elle va vous me filmer en train de nager. Vous allez voir le fameux dauphin.